de figue à la philosophie. Oh, cette église qui n'a pas de vie, cette religion qui est dépourvue de sang, les feuilles de figuier. Je t'avais dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit établie, car toute religion dépourvue de sang, Frère Branham me dit, c'est la philosophie. Maintenant tu vois. Les feuilles de figuier, la philosophie. Oh, cette église qui n'a pas de vie, cette religion qui est dépourvue de sang. Seigneur, ne me laisse pas me cacher là-bas. C'est une église qui n'a pas de vie, cette religion qui est dépourvue de sang. Les feuilles de figuier. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous. Tu avais dit que c'est lui qui veut te suivre. Merci. Doit se décharger. Nous sommes là réunis cet après-midi. C'est pour vous présenter le projet qui se tiendra bien sûr ce dimanche 22 septembre au Temple Rama. C'est l'artiste musicien, le pasteur Nathan Epengué, qui est déjà à Lubumbashi et devant vous cet après-midi, qui est venu présenter son album intitulé « Le Feuille des Figuiers ». Merci à tous parce que vous avez répondu à notre invitation. Les amis et confrères de la presse, je vois différentes chaînes de la place, bel et bien représentées comme Nyota TV, Kyondo TV, Faya TV, HK6 TV, Arc-en-Ciel, Malaika et autres. En dehors de ça, nous avons aussi nos amis des médias en ligne qui sont ici présents et nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue parmi nous. Devant vous, il y a le pasteur Nathan Epengué qui est accompagné par le staff ou l'équipe d'organisation. Il y a le pasteur Patrick, qui est coordonnateur de cet événement. Moi-même qui vous parle, je suis Billy Mukendi. Je fais partie de l'équipe. Il y a le frère Junias, qui est de l'autre côté, bien sûr, qui chapeaute cette organisation. Alors, nous allons avancer petit à petit avec une série de questions et réponses. Et petit à petit, s'il y a des questions qui concernent le pasteur, bien sûr, il va les répondre. Et s'il y a aussi des questions qui concernent l'organisation, je crois qu'il y a le frère Gignas qui est de l'autre côté. Il y a moi-même, Billy, je peux répondre à certaines questions. Et le pasteur Patrick qui est à ma droite, qui va répondre aussi à certaines questions. Alors, je vais commencer d'abord par remettre le micro au pasteur qui est là, afin qu'il présente ses impressions. C'est pour la 40e fois qu'il vient à Lubumbashi. Comment il trouve la vie de Lubumbashi et ça se passe déjà comment avec le rendez-vous de ce dimanche. Et puis, on va poursuivre avec vos questions. Donc, le principe reste le même. Vous levez la main et puis on avance comme ça. On va aller petit à petit. Et puis, merci, pasteur. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'abord d'être là, que le Seigneur bénisse beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous portez à cet événement. Je suis venu de Kinshasa, j'ai fait en fait 2 semaines à Kinshasa, il faisait beaucoup plus chaud. Et ici, il fait aussi chaud, hein, donc c'est seulement chaud. Il fait aussi chaud, mais pas comme à Kin, mais il fait chaud. Mais j'ai vu que le Lubumbashi a un peu changé. La dernière fois que j'étais ici, c'était au dédicace des fellowships, je pense, et il y a 2 ans de cela. Et puis, c'était un peu plus différent, mais bon, c'est chez nous. Hein. Je pense que c'est tout. Bon, en fait, je suis venu pour la sortie officielle de mon album Le Feuille de Figuier. C'est un album, en fait, qui était sorti il y a longtemps, s'il fallait le dire. Mais bon, comme c'est un album que nous avons fait par les bien-aimés qui m'ont soutenu, qui n'a pas eu un producteur comme tel pour une sortie officielle,
de cela. Ça joue déjà par-ci, par-là. Mais je n'ai jamais fait une sortie officielle et essayé de promouvoir, comme on dit en anglais, de promouvoir, en anglais c'est quoi? En français? Faire la promotion de cela. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Et j'ai été contacté par les bien-aimés, nous avons parlé. Et je me suis dit, bon, si le moment était propice pour moi de venir pour faire la sortie officielle de cet album, Le Feu de Figuier. Donc c'est ça, voilà pourquoi je suis là. D'accord, merci. J'en profite déjà pour poser ma question. Pourquoi le choix de Lubumbashi pour lancer votre album? Il y a eu la proposition de Faye Junias pour le concert que je devais avoir à Colisée qui avait été avorté. Mais bon, nous pouvons avoir quelque chose d'autre. C'est à partir de là que nous avons parlé avec lui. Et c'est lui, sachant que l'album était déjà sorti, mais la sortie n'était pas officielle comme on fait d'habitude et tout. Mais il m'a proposé, c'est pourquoi il a dit, bon, Pasteur Nathan, tu viens, on joue ici à Lubumbashi et on fait la sortie de l'album. C'est ça, une sortie officielle. J'ai accepté, c'est pourquoi je suis venu. Ce trésor du ciel, Mukendi Moussakoli, pour le compte de Message Télévision. Pasteur, j'aimerais un peu savoir, nous aimerions un peu savoir, pourquoi le choix de Pasteur Lifoko comme invité spécial? Et la deuxième question, le feu de figuier signifie quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient un peu savoir ça. Et pour la sécurité, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il y a l'organisation vraiment très efficace pour la sécurité des enfants de Dieu? Merci beaucoup. Ok, bon, pour la sécurité des enfants de Dieu, là, ils vont répondre. Voilà, mais pour le choix de Pasteur Life, en fait, après que nous ayons, après le concert, je voulais dire, que nous avons eu, c'était le taux d'Araba de Pasteur Life, où on avait joué avec le pasteur Sylvain, et je voulais, après moi, faire aussi mon concert à moi, toujours dans la sortie officielle de Feuilles de Figuier, mais je devais le faire à Kin. On avait même parlé aussi avec Junias, et puis j'avais parlé à Sylvain, j'avais parlé aussi à Pasteur Life, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais à l'époque, on avait avorté ça, le Pasteur Life était aussi un peu malade, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est pendant ce temps-là qu'on devait normalement faire la sortie de mon concert. Bon, bien sûr, aussi, il y avait eu des problèmes d'organisation qui n'avaient pas marché pour Kinshasa, c'est pourquoi on n'avait pas pu le faire. Alors, comme on a parlé avec Julien, c'est qu'il fallait le faire ici à Lubumbashi et que je sais que le pasteur Life est souvent aussi à Lubumbashi et tout, il a une église ici. C'est pourquoi je l'ai appelé pour être aussi là pour la sortie de l'album. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ça c'est pour le choix. Maintenant, pour le feu de figuier, c'est l'inspiration vient à partir des feuilles que Adam avait portées quand il n'avait plus d'habit. En fait, quand il s'est retrouvé, là c'est dans la Bible, hein, il s'est retrouvé sans habit et puis il s'est fait les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Maintenant, nous, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, et pour ceux qui savent, moi je crois le message de Frère Branham. Et Frère Branham, en interprétant les feuilles de figuier, il a appelé ça une religion. Il dit que c'est une religion pour couvrir la nudité. Et il dit une religion qui n'a pas de sang, et il appelle ça une philosophie. Donc ça veut dire une religion qui n'a pas de vie. C'est pourquoi nous avons chanté les feuilles de figuier. Et le nom là, l'histoire même de la chanson là, et c'est trop long et très grand parce que c'est attaché à l'accident que j'avais fait en 2010. Où j'avais perdu mon fils, mon neveu et mon ami. Et c'est sur base de ça que j'avais écrit la chanson Le Feu de Figuier. J'avais écrit, j'étais à l'hôpital, voyez-vous, j'avais les côtes cassées. C'est là que j'avais écrit cette chanson-là. Je pense qu'on pourra en parler aussi au concert. Donc il s'agit d'une religion qui n'a pas de vie, une religion qui. Donc ça veut dire juste quelque chose pour se couvrir. Donc c'est ça Le Feu de Figuier en soi. Merci. Avant de prendre Joseph, c'est Nasson. Bonjour à tous. Je suis Nasson Paiginyenga pour le compte d'HK6 Radio Télévision. Alors, pasteur, la première question est celle de savoir c'est avec quelle motivation que vous serez sur scène ce 22 septembre devant les Louchois.
Alors, deuxièmement, j'aimerais ici savoir c'est quel message que vous apportez au Louchois. C'est vrai, c'est une célébration, ça sera une présentation officielle de l'album, mais en préparant ce concert, quel est le message que le Seigneur vous a donné justement pour transmettre aux enfants de Dieu? Merci. Merci. La première question un peu pertinente. Mais, non, mais je peux comprendre. Bon, la motivation est que on était venu ici il y a longtemps par l'invitation d'un pasteur, que son âme se repose en paix, et qui nous avait invité ici avec le pasteur Sylvain. À l'époque, on avait joué au 30 juin, je pense il y a très longtemps. Gabi, le pasteur Gabi. Depuis ce jour-là, j'avais aimé les peuples de Lubumbashi. Voilà, j'avais vu voyez, leur attachement, leur amour et puis leur intérêt. Voyez, parce que vous pouvez sentir quand vous êtes devant une foule hostile. Voyez, ce sont des vibrations, vous pouvez sentir cela, ce sont des énergies. Mais j'avais apprécié l'énergie quand j'étais venu à l'époque. Et c'est ça la motivation, la première motivation, parce que je sais que d'abord le Mashi on m'aime, et puis les enfants de Dieu ils croient, voilà. Et le message que j'ai, c'est les feuilles de figuier, parce que c'est ça le concert. Le concert est appelé les feuilles de figuier. Voilà, donc le message que j'apporte, ça veut dire d'appeler les enfants de Dieu, voyez-vous, à sortir de cette religion intellectuelle, mais d'aller dans la religion du cœur. Donc ça veut dire ne pas chercher quelque chose à se couvrir. Je suis chrétien de la bouche, je suis dans le message de la bouche, mais en fait c'est devenu une philosophie, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sang. C'est ça le message que j'apporte ici, dans ce concert ici, le message pour les frères et les chrétiens de Katanga Lubumbashi, spécialement ici. C'est le feu de figuier, ça veut dire sortir d'une religion qui ne produit pas la vie. Merci. Sortir d'une religion qui ne produit pas la vie. Tel est le message de ce 22 septembre au temple Rama. Révérend Joseph. Bonjour à tous. Joseph Sumba pour le compte de Malaika, chroniqueur dans Chronogos. J'ai trois questions. La première, c'est de savoir qu'il y a eu un vide, je peux dire, sur la scène artistique depuis Macpela et tous les titres qui ont béni les enfants de Dieu et la sortie des feuilles des figuiers. Pourquoi ce vide sur le plan artistique? La deuxième question, vous avez épinglé quelque chose. Vous revenez d'une tournée où vous avez donné un enseignement particulier pour lequel déjà on peut vous surnommer énergie, E comme Epengé, N comme Nathan. Alors, ces voyages que vous avez eus, quel est l'impact que cela aura sur cet événement de dimanche en parlant de l'énergie et des vibrations? Et la dernière question, est-ce que vous avez gagné de l'argent dans votre vie grâce ou par la musique? Voilà, les raisons sont multiples, pas trop, mais deux ou trois. La première, c'est que après Macpela, je pense, est sorti en 2007, je crois, ouais. Et puis, 2007, 2009, j'ai commencé à prêcher. Voilà, et j'ai commencé à prêcher dans une configuration qui était très, très difficile pour moi. Très difficile, et il fallait que je puisse me donner beaucoup pour faire avancer ce que je faisais. Juste comme je dis, c'est à cause de l'énergie. Il y avait beaucoup de l'énergie négative et il fallait que je puisse beaucoup me donner d'abord dans l'œuvre que j'avais commencé à cause des... la circonstance dans laquelle on avait commencé à prêcher à Johannesburg, bien sûr. Donc c'était l'une des raisons, c'était ça. Et puis une autre raison, c'est que moi je ne suis pas un producteur, s'il faut le dire, et puis je ne suis pas bon producteur, voilà. Et
Et je ne sais pas, j'avais parlé avec un pasteur qui avait produit beaucoup des pasteurs, aussi beaucoup de frères qui produisaient. Et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais oh, pasteur, comment tu ne me produis pas? Il a dit, ah, moi, te produire, je n'ai pas d'argent. Alors, j'ai vu peut-être que donc, quelqu'un, il avait une grande pensée sur nous, il faut venir avec moi. Je lui ai dit, mais non. Donc, je n'ai pas eu un producteur de quelqu'un qui vient. Lui, il s'est dit déjà que non, c'est très grand, moi, je ne peux pas te produire, toi. Moi, j'ai dit, oh, comment ça, pasteur? Mais tu as produit les autres. Donc, il s'est fait que moi, je suis trop grand et je devais demander beaucoup d'argent, alors que ce n'était pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le frère Daniel Kalombo, qui avait produit Makpela, il avait sorti beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'était ça. Mais moi, personnellement, non, je ne suis pas vraiment dans quoi que ce soit. C'est ce que les gens peuvent penser. Et puis, je lui avais dit. Donc, ce qui fait que pendant ce temps-là, s'il y avait un producteur, donc j'en profite aussi pendant que vous êtes là, je lance déjà. Donc, celui qui est prêt pour produire le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo, ça, c'est le prochain. Voilà. Hein? Donc, le prochain album, c'est le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà. Alors, celui qui est prêt, je lance déjà. Voilà. Donc, quelqu'un dit que non, parce que moi, je vais produire. Donc, que les gens n'aient pas peur, non, ça va demander, non, ça n'a rien à voir. Donc, c'était ça aussi. Je n'ai pas eu de producteur. Et puis, j'étais aussi occupé d'abord à faire avancer l'église qu'on avait commencé. Voilà les deux raisons majeures qui avaient fait. Bon, pour l'argent, non, la deuxième, c'était... on va parler sur l'énergie après. Donc, la deuxième... l'argent, ok. Pour l'argent dans la musique... Bon, l'argent dans la musique, bon, s'il faut dire, pour moi, la musique, c'est un don, ok? Et même la prédication, même la musique, tout ça, c'est un don. Bon, moi, je ne crois pas qu'on vend un don. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne crois pas qu'il faut vendre un don. Parce que c'est un don, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Et comme les dons viennent de Dieu, Dieu dit qu'il faut donner gratuitement. Donc, ce qui fait que je ne chante pas pour avoir de l'argent, ni prêcher pour avoir de l'argent. Mais est-il que, comme chanter pour Dieu et prêcher pour Dieu, Dieu bénit toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas, il y a une nuance là. Voilà. Je ne chante pas pour avoir de l'argent. Je ne prêche pas pour avoir de l'argent. Mais comme je prêche Dieu, voilà, et que je chante pour Dieu, Dieu bénit toujours. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ok, donc je ne sais pas si, en tout cas j'ai répondu. Voilà, à moins que quelqu'un ne soit pas satisfait ou aimerait poser ça autrement, mais c'est ce que, donc j'avais déjà fait une émission comme ça à Goma, et c'est ce que j'avais dit. Voilà, parce qu'il faut rester ferme dans ce qu'on croit, et puis c'est un homme de principes, ce sont des principes que j'observe, dont je crois, et c'est comme ça que on doit marcher. Mais il y a quelque chose dont je déplore aussi avec nos frères, c'est qu'ils ne soutiennent pas les dons. Ça, c'est encore un autre problème. Et cela n'est pas correct. Ça conduit les autres. Ça les soumet dans la tentation, pas moi. Voilà. Donc, ça soumet les autres à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même savoir comment soutenir vos dons à vous qui agissent. Par exemple, aujourd'hui. Venir ici, je crois qu'il y a eu des frais qui ont été payés. Seulement le fait que vous veniez ici. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je crois. Je ne crois pas que là-bas, au temple Rama, là-bas, on est allé là-bas, on dit, bon, écoutez, nous sommes des chrétiens, on veut chanter pour Dieu, donnez-nous la salle. Voilà, je ne crois pas qu'on va aller au studio, on dit que non, nous voulons chanter, Jésus, sort, donne-nous le micro. Voilà, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Oh non, il ne faut pas vendre les chansons, il ne faut pas vendre, c'est la parole de Dieu, c'est faux. La parole de Dieu aujourd'hui a été prêchée par un prophète, son nom c'est William Branham. Il a enregistré les bandes, laissé prédication, il ne s'est pas mis dans la rue pour distribuer ça. Comme c'était des cassettes qui demandaient de l'argent pour acheter et les matériels pour enregistrer, il a vendu ça. Et ça, là, ce ne sont pas des chansons, c'est la prédication. Et puis, il n'a pas vendu sa chair, parce qu'il n'a pas vendu pour chercher de l'argent, mais comme il y avait des frais qui sortaient pour la réalisation de cela, il faut qu'il y ait encore des frais pour que demain vous l'ayez.
Ici, les frères, ils vont se débattre pour que tout le monde vienne faire des polos et tout. C'est de l'argent. Mais s'ils doivent venir encore demain, si je dois revenir demain, par exemple, avec le pasteur Sylvain, et que les gens ne sont pas venus, ne fût-ce que pour faire qu'eux ne puissent pas manquer la possibilité de faire demain. C'est cela notre problème. Et ça, là, ce sont nous, les pasteurs, qui devrions montrer ça aux enfants de Dieu. De savoir que c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas les histoires de Satan là-bas. Déjà, Frère Branham lui-même, la parole, il a vendu. Je ne parle pas du studio ou l'album, non. Frère Branham n'a pas fait d'album. Mais les cassettes-là sont vendues. Mais comment est-ce que la parole de Dieu qui a enregistré ça? D'abord, nous, on croit que c'est la voix de Dieu. Voilà. Mais la voix de Dieu, là, on vend ça. Vous comprenez? Mais les gens vont venir, oh non, frère, l'histoire de vendre là, l'histoire de payer les concerts et de faire. On a donné les stations de concert, ils ne croient pas. Donc, en fait, bref, c'est comme ça que cela est. Donc, on ne chante pas pour l'argent, mais Dieu bénit par ça. Okay. Bon, pour l'énergie, il faut venir dimanche. Moi, c'est Jésus Ngoui, pour le compte de Faya Télévision, l'émission Tron de Grâce. Alors, pasteur, j'ai deux petites questions. La première est celle de savoir, dans votre album Feuilles de Figuier, il y a combien de titres? Et parmi ces titres, il y a combien de featuring que vous avez enregistrés? La deuxième question est celle de savoir, en fait, vous demander d'éclairer l'opinion sur votre événement de ce dimanche. Parce que la population se pose des questions. Du fait qu'on voit l'affiche, on voit le pasteur Lifoko et vous, il y a certains qui ne sont pas du message. Et directement, ils pensent que l'événement sera pour les chrétiens du message. Est-ce que c'est pour tout le monde? Tous les chrétiens peuvent y participer ou bien seulement ceux qui croient au message de Frère Branham? Merci. Et de featuring. Donc l'album a 14 chansons. Voilà. J'ai Les Feuilles de Figuier, Les Pergames de l'Agneau, Les Songes de Tommy Isabelle, Les Mubali Oyakola Pembeni Amai, et puis Owanji, là c'est un tété là. Voilà. Et puis, quoi encore? N'aie pas peur de la révélation. Et puis, il y a il y a 14. Donc, j'ai 14 chants. Il y a aussi les monarques qui viennent de l'Orient. Donc, voilà. Il y a 14 chansons dans et puis, le fait de figuer en soi aussi dans cet album-là. Le featuring, j'ai fait seulement avec Life, j'ai comme l'impression, dans cet album-là. Dans Macpela, le featuring, j'avais fait avec Sylvain dans la chanson L'Identification. Je voudrais m'aider dans les tabernacles. Voilà. Là, c'est avec Sylvain. Et dans cet album ici, c'est Les Songes du Roi. Mokolo moko moko zi moko yamboka. Isole na yaka kota lao. Isole na, c'est l'Ifoko en fait. Il s'appelle Ifoko Isole na. Voilà. Donc, le featuring, c'est seulement avec Life dans cet album ici. Voilà. Mais pour tout le monde, mais bien sûr que c'est pour tout le monde. C'est pourquoi on a mis les affiches, c'est ça, non? Donc, les affiches, là, on a mis ça dans les chairs seulement de l'église du message. Voilà. C'est pas dans les églises du message. Tu as mis seulement à l'église? Voilà. Donc, c'est partout. Donc, les affiches sont partout parce que c'est pour tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas un autre Dieu. Notre Dieu, nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui-là que nous chantons, que nous prêchons, que nous aimerions que tout le monde vienne et qu'il comprenne comment Jésus-Christ s'est révélé aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça le message que nous voulons apporter. C'est pour tous les chrétiens. Donc voilà, tout le monde est welcome. Il y a des gens qui ont cru le message par mes chansons. Voilà, ils ont entendu comme ça, bah, il est allé, il a cru, il a pris le baptême. Et voilà, donc c'est ça. Ok, je m'excuse. J'espère que j'ai répondu. Ça va déjà. Ça va, je prends Arsène et puis Francis après. Arsène Loger pour le compte de Arc-en-Ciel et Positif TV qui est un média en ligne. Alors je commence par remercier tout d'abord et féliciter l'équipe d'organisation. On voit qu'ils sont en train justement, tant soit peu, d'aller vers l'excellence dans l'organisation des activités. En ce qui concerne justement les artistes du message. Bravo en tout cas à l'équipe d'organisation. Pasteur, il y a deux questions déjà posées, mais j'aimerais simplement rentrer dans le petite brèche qu'on m'a laissée. La toute première brèche, c'est concernant
l'album qui a 14 titres avec un seul featuring. Je suis tenté de savoir ce qui vous empêcherait de collaborer avec un artiste musicien pentecôtiste. J'ai eu longuement une discussion avec, j'ignore si vous l'aviez déjà fait par le passé ou pas. J'ai eu une émission et une longue discussion avec le pasteur Grace Mutombo à ce sujet. Et je voudrais savoir, est-ce que ça sera possible un jour? Est-ce que envisagez-vous de collaborer avec un artiste qui n'est pas du message, mais qui chante Christ, comme c'est le cas avec le pasteur Atoms, qu'il a fait avec le frère Patrice? Je sais que le message, il est aussi divisé. Il y a ceux qui croient à ça, ceux qui ne croient pas à ça. Là n'est pas mon problème. Mais mon problème est justement situé à ce niveau-là. Il y a un pasteur du message ici sur le Lubumbashi qui avait invité le frère Alain Kabangu, qui n'est pas du message et qui a chanté. Alors, je ne sais pas cette frontière, si elle pourra être brisée un jour dans votre carrière, afin de collaborer ensemble. Déjà que votre concert, vous allez le livrer dans un temple pentecôtiste, donc il n'est pas du message. C'est la première question. La deuxième brèche, c'est par rapport au message que vous apportez. Je l'ai bien compris, sortir d'une religion qui ne produit pas de vie, c'est les contenants. Ça signifie, ce 22, nous allons rentrer un tout petit peu dans cette idée, dans cette idéologie, dans cette pensée qui va nous accompagner tout au long de la célébration. À quel pourcentage allez-vous interpréter de titres qui nous poussent à sortir, bien entendu, de justement cette religion qui... ne produit pas de vie? Parce que quand vous donnez un titre à une célébration, rassurez-vous que le contenu reflète justement le titre pour que le tout ait un sens. Pour chuter, puisque je ne vais pas monopoliser la parole, $15 et $5, vous êtes expliqué là-dessus, vous avez donné des raisons qui tiennent. Mais attendez, pasteur, il y a de bien-aimés assoiffés de venir vous écouter, mais qui seront butés par le 15 et 5 dollars. Je sais que vous n'y êtes pour rien, mais je sais aussi que vous y êtes pour la dernière décision. Ne trouvez-vous pas que c'est limiter l'action du Saint-Esprit par rapport aux autres assoiffés qui aimeraient bien entendu venir célébrer avec vous? Alors je finis, permettez, avec une question qui vous a été posée, là encore une autre brèche. Vous dites que le pasteur Lifoko, vous avez choisi de pouvoir présenter cet album avec lui parce que vous avez expliqué. C'était justement en guise de le remercier du fait qu'il vous avait invité, ou bien c'était l'inspiration des dieux qui vous a convaincu de le faire avec lui? L'œuvre des dieux, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire, à ce que je sache. Merci, pasteur. Ok, il y a beaucoup de questions. La dernière. Ok, donc la dernière. Je vous ai dit ici que le pasteur Life, quand il avait fait son Todaraba, son concert à Kinshasa, il m'avait sollicité que moi et Sylvain, qui avons chanté dans ce Todaraba à Kinshasa. Et sur cette base-là, quand moi j'ai pensé aussi faire... De faire la sortie de feuilles de figuier, c'est alors que j'ai pensé aussi à lui. Et là, c'est la première raison d'abord. Hein. C'est pourquoi j'ai pensé à lui pour qu'il puisse aussi participer. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'il fait partie du featuring d'une chanson de cet album ici. Donc, c'est nécessaire qu'il soit là. Parce qu'il avait chanté dans... cet album ici qui est sorti. Donc, voilà pour la dernière question que vous avez posée sur Life. Donc, et puis l'autre, c'était? Je ne sais pas répondre à ça. Vous, les gens qui ont fait vont répondre à ça. On passe. Oh, bon, ok. Ça, là aussi, il n'y a pas de...
Il n'y a jamais eu d'abord une proposition là-dessus. Vous comprenez? Ce que je peux dire ici ne sera qu'une supposition, s'il faut le dire. Voilà, donc je n'ai jamais été abordé là-dessus. Quelque part, vous avez déjà répondu, s'il faut dire d'une manière, parce que vous avez dit ici, quand il faut faire quelque chose, il faut que vous soyez conduit à le faire. Il faut que ce soit Dieu qui vous conduit à faire cela. Si l'autre a fait, et les choses de Dieu sont comme ça. Peut-être qu'ils ont pensé qu'ils devraient le faire, l'autre a vu qu'ils devraient le faire. Mais moi, pour l'instant, je n'ai jamais été approché par qui que ce soit pour le faire. Je ne saurais pas te dire s'il faut le faire ou pas. On ne m'a jamais proposé ça. Ce sera très prétentieux de ma part de parler de quelque chose dont je ne sais même pas. Peut-être qu'ils ne me connaissent même pas. Donc voilà, il y a une autre question encore. Il y avait une autre encore. Je profite. Arsène, il y a une question que vous avez aussi soulevée concernant le temple Rama, qui n'est pas un temple du message, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Oui, donc... ok. Ouais. Ouais. Excusez-moi, merci. Le pentecôtiste, on a discuté longuement avec le pasteur Grasse. Ouais. Le pentecôtiste pense que le message, celui du message, ouais. Je ne sais pas le messager, je ne sais pas comment l'appeler, mais celui, le croyant du message. Le croyant du message. Il le regarde de loin. Le croyant du message aussi pense que il regarde le pentecôtiste le regarde de loin. Okay. Le jour où j'ai eu la discussion avec le pasteur Grasse, je me suis rendu compte que la finalité est ceux qui croient au message et ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, est la même. C'est là qu'on avait, on avait conclu avec lui. Okay. Parce qu'il me dit qu'il ne croit pas au frère Branham, il croit au message du frère Branham qui parle de la part de Dieu. C'est ce qu'il me dit. Alors, le chrétien aussi, il croit au message de la Bible qui parle de Dieu. À moins que je ne me trompe. Mais sinon... c'est la même chose, c'est comme mon pasteur qui m'amène un message, qui me dit voilà l'interprétation de ce que dit la Bible. Je crois à ça parce qu'il me le dit, mais ça parle de la part de Dieu. Il présente Dieu à travers ce que lui me dit, même quand ce n'est pas exactement repris comme c'est fait dans la Bible. Donc c'est cela, et je me pose la question, la frontière elle vient d'où? C'est comme ça que j'ai appuyé cela par le temple Rama. Ouais. Je crois, vous en tant qu'organisateur, vous allez me dire c'est un temple qu'on loue. Il n'y a pas que Rama qu'on fait louer. Il n'y a pas que Rama qu'on fait louer. Mais vous devez aussi retenir que c'est la salle qui répond quand même aux normes. Bon, parmi des salles. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup qui n'ont rien à voir avec... Parce que là, c'est une église, au fait. Ouais. C'est une église pentecôtiste, s'il vous plaît. Donc, ça signifie que j'ai vu récemment, Dieu n'a pas fini d'écrire la Bible. Mmh. Ce frère a été lapidé. Simplement, Isaac Bougassa, simplement parce qu'il a chanté avec David Izé, qui est pentecôtiste. C'est en cela que je me posais la question, est-ce que la frontière, un jour, elle sera réduite, puisque la finalité est la même, pasteur. C'est la même finalité, à ce que je sache. Vous vous appelez comment? Arcel. Frère Arcel. Oui, papa. Ouais, regarde, je vous ai dit ceci. Que dans les choses de Dieu, parce que c'est de cela dont il est question ici, dans les choses de Dieu, il y a la conduite, vous comprenez? Et les conduites ne sont jamais générales. Vous voyez? Une personne peut savoir que moi je peux faire, une personne dit moi je ne peux pas faire. Une personne dit moi je peux aller, moi je ne peux pas aller. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, ici, votre question que vous m'avez posée, s'il faut lier ça avec le temple Rama, comme tu as dit, moi je ne pense pas que le fait d'aller chanter dans les tabernacles de pentecôtistes le temple Rama, donc ça veut dire maintenant je crois comme les pentecôtistes. Non, je ne pense pas non plus que si je ne pars pas là-bas, c'est parce que je ne crois pas comme eux. Non, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc, je ne crois pas que le fait d'aller chanter là-bas, comme je suis allé maintenant aller chanter là-bas, il n'y a plus de frontières, je crois comme eux. Non. Je ne crois pas non plus que non,
Comme je ne crois pas comme eux, je ne pars pas là-bas. Comme je ne pars pas là-bas, ça veut dire que je ne crois pas comme eux. Non, ce n'est pas ça. Parce que tout là, c'est seulement, comme on dit en anglais, c'est des premises. C'est de ça le feuille de figuier dont je suis en train de... Vous comprenez que le message que je suis en train d'amener est très important. Ça commence déjà ici dans la salle. C'est ça le feuille de figuier. Ça veut dire une couverture. Tout cela, c'est la religion. Voilà. Mais le message du concert ici n'est pas ça. Ce n'est ni la salle de l'autre, ni la salle de... Est-ce que... Bon, n'entrons pas là-bas. Il y a des salles où Frère Banham avait fait des réunions. Je ne veux pas dire ici, ça peut peut-être scandaliser les gens. Donc, bref... Cela, ce n'est pas le problème des frontières ou pas, Arcel. Ce n'est pas ça. Sur la question sur moi, parce que c'est grâce, c'est grâce. Isaac, c'est Isaac. Life, c'est life. Temple, c'est life. N'oublie pas ça. Hein. Nous sommes tous des frères, mais chacun est conduit. Voilà. Mais pour moi, comme je vous ai dit, je ne saurais pas vous répondre ça tout de suite ici, parce que déjà, je ne crois même pas qu'ils me connaissent. Voilà, vous comprenez déjà. Ça, c'est un. Puis, deuxièmement, ce n'est pas quelque chose où on est venu, non. Alors, il y a des choses qu'il faut attendre. Quand ça arrive, tu seras conduit. Et puis, donc, voilà. Alors, il y avait une autre question encore qui avait été posée. Voilà, sur le message, le feuille de figuier, à quel pourcentage? C'est à 100%, celle. Donc, ici, pourquoi je dis à 100%? Ça veut dire, quand la parole de Dieu... Frère Branham dit, hein, permet que je te le dise comme ça, voilà. Donc, Frère Branham dit que la parole de Dieu, c'est comme un link. Donc, un oui parfait qui s'emboîte. Et voilà. Donc, ici, quand je parle, je chante, par exemple, « Oyebi mobali, oyo, akola pembeni amayi, yabotama pembeni amayi. » Quand on va aller avec ça jusqu'à la fin, tu verras que non, ça va t'amener au feuille de figuier. Et quand je vais penser, on va aller dans le pergame de l'agneau, tu verras que c'est la même chose. Ça va apporter, c'est pourquoi je dis 100% feuille de figuier. Ça veut dire que les gens comprennent de quitter la religion là intellectuelle. Et une religion, moi je suis frère, je suis sœur, non. Mais une vie vécue, c'est ça le message. Et ce sera 100% feuille de figuier. Tout ce qui sera chanté. Je pense que c'est tout. Merci. Pour la question de droit d'entrée, je pense que le pasteur Patrick peut répondre à cette question. Merci frère, c'est Arsène. J'aimerais vous donner l'anecdote. Le problème n'est pas sur 5 dollars et 15 dollars. Le problème aussi est sur l'importance que tu accordes à l'œuvre de Dieu. Nous avons organisé un événement avec David King. L'entrée était combien? 5 000 francs. Je n'ai jamais oublié ça. Une petite salle anglicane, 5 000 francs. Les gens s'étaient plaints. Pourquoi 5 000? Pourquoi pas gratuit? Je rabaisse. J'ai organisé et j'organise des événements dans l'église où je suis berger. Et on va dans l'évangélisation. Nous croisons des gens à quelques mètres de l'église. À quelques mètres de l'église. C'est gratuit. Il est malade, l'événement est gratuit et on va prier pour lui. Il me dit qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas encore mangé. Donc je dois lui payer à manger pour qu'il vienne afin qu'on prie pour lui. Ok? Je vais encore plus loin. Je croise une autre maman, elle me dit qu'elle n'a pas de savon pour se laver. Ce que je dis, je suis un pasteur, je ne reviendrai pas me repentir. Moi, je travaille beaucoup dans l'évangélisation sur terrain. À quelques mètres de mon église, moi-même, avec, on a des mégaphones, je chante dans la parcelle, bonjour maman, comment ça va? Ah bah rien, maman, mon bien. Ah bah, baba, savon tout yakuna amash nana. Je sors, 10 000 francs, je lui donne. L'avez-vous venu à l'église? Et il n'était pas venu. En fait, ce n'est pas un problème de 15 ou de 5 ou de, je ne sais pas moi. Même si on mettait 1000 francs, il y a toujours possibilité que quelqu'un te dise que je n'ai pas de transport pour venir. Et même si tu dis, eh bien voilà, on va tenir le concert dans ta propre parcelle. Il te dirait que j'ai sommeil. Le problème, c'est l'importance que nous accordons. Comme l'ancien Nathan l'a dit, il n'y a pas de prix pour un don. Même 100 000 dollars, on peut mettre. Et puis, on ne met pas ce prix par rapport à ce que lui va chanter. Non. Par rapport au minimum
ne fût-ce que le minimum que l'équipe peut essayer de récupérer. Alors pourquoi il y a eu 5 et 15? C'est la demande, votre demande à vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on était à l'interne, on préparait ce concert, le grand gymnase peut le témoigner. Nous avons eu des frères qui se sont fâchés. Pourquoi on peut prendre un si grand don comme l'ancien Nathan Epengue et le mettre dans une petite salle comme Rama et puis les rabaisser au niveau de 5 dollars? Grand, c'est pas ça. Vous devriez mettre même 20 dollars. C'est un grand don. L'autre nous a dit, mais mettez sur hypnose là. Mettez même 50 dollars. Nous avons dit, non, ça fait beaucoup d'argent, 50. On y va mollo, mollo. D'abord, 5 000, c'est difficile. 10 000, c'est difficile. Hier, il y avait le concert de Papa Moulumba. C'était 10 000 francs. Mais ce n'était pas plein. J'ai vu. Vous étiez là hier. Bon, ce n'est pas un problème de montant. Vous voyez. Maintenant, quand on a mis 5 dollars, c'est comme ça, il y a eu des gens. Vous, qui aimez votre don, vous nous avez dit, en tout cas, moi, 5 dollars, c'est peu d'argent. En tout cas, moi, donner 5 dollars pour l'ancien Nathan, c'est comme si, mettez pour moi, certains demandaient, mettez 50, moi, je vais payer 50. Alors, on s'est dit, 50, 5, 45, ça fait un grand écart. Bon, on vous met 15 pour vous qui voulez faire au-delà. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec VIP et standard, non. C'est le besoin des gens de soutenir le don de Dieu. Dieu vous bénisse. Papa Arsène, je crois que vous êtes satisfait jusqu'à là. Merci. Je peux accorder à 3 personnes. Le pasteur est fatigué. Je commence avec Francis. Bonjour pasteur Nathan, bonjour à tous. C'est encore un plaisir de vous revoir parmi nous. Nous vous considérons comme un grand don que le Seigneur nous a donné dans cette génération. J'ai juste 3 petites questions, je vais les résumer rapidement. La première, quel est le thème de vos chants? Qu'est-ce qui vous inspire réellement quand vous chantez? On va peut-être y aller comme ça, si vous me le permettez, en 3. Vous avez combien de questions? J'en ai 3 petites. Bon, la première, quel est le thème de vos chants? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? Le thème de mes chants, c'est Christ. Écoute, ô Israël, si ma bouche t'oublie, que ma langue s'attache à son palais. Voilà le thème de mes chants. L'inspiration, c'est la réserve de Joseph, parce que c'est ça l'inspiration qui ne finit jamais. La réserve de Joseph, pour ceux qui ne comprennent pas votre langage. La grande énergie, Francis. Toi, tu as fait, tu es venu ici. Hein, Lubumbashi, au Kimiotikabiso, qu'on en a fait d'ici, du français. Hein? Donc, le message de l'heure. Ok, merci beaucoup. Vos chants sont souvent en énigme et parfois mystérieux et qu'il faut quelqu'un de votre calibre pour vous comprendre. Je ne sais pas si les autres l'ont constaté. Certains vous aiment comme ça, je suis l'un de ceux qui vous aiment comme ça parce que je vous comprends. Mais pour les autres qui viendront peut-être vous écouter la première fois, sauront-ils obtenir un message de la part de Dieu par vos chants? Bon, c'est le style, comme on dit toujours. Les dons sont spéciaux parce que c'est la manière que un don est dirigé d'une manière. Voilà, quelqu'un chante, mais ses chants sont plus dirigés vers côté évangélique. Et hein, vous sentez qu'il chante hein, d'une manière évangélique, voyez-vous. C'est cette manière-là que son don est dirigé, vous comprenez, par rapport à ce qu'il reçoit du Seigneur. Les autres, quand ils écrivent les chants, ils sont conduits d'une manière d'adoration. Vous voyez, donc quand vous écoutez, et voilà. Mais il y a d'autres, quand ils écrivent, et ça a tendance à enseigner. Voilà, quand vous écoutez, vous apprenez beaucoup et trucs, et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs. J'ai commencé à chanter, je ne sais pas, comme vous ne l'avez pas demandé, moi je peux le dire. J'ai commencé à écrire mes premières chansons en 1992.
Vous voyez les chansons que vous parlez, c'est des Demas, Akan, les Petits Dinanais, ce sont des chansons de 1994, je ne sais pas, il y en a peut-être que les autres ici n'étaient pas encore nés. C'est à cette année-là qu'on avait écrit ça. Et il y a, on appelait ça les nids d'aigle. Ah, ok. Mais il y a des pasteurs jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était à l'époque des cassettes. Il y a des pasteurs jusqu'à aujourd'hui, ils n'aiment pas donner ça. Un autre, il est venu à Cape Town, il avait ça, il dit, je voyage avec ça. Il dit, quand je vais inspirer, je vais écouter, je me prépare les prédications, j'écoute. Donc, vous comprenez, c'est comme ça que l'esprit conduit les autres. Donc, chanter d'une manière énigmatique, si, comme tu utilises le terme que tu as utilisé, c'est simplement une direction et le style que j'ai, vous voyez, c'est ce qui fait Nathan. Vous voyez, quand vous écoutez live, vous pouvez déjà reconnaître, ce n'est pas la monotonie, mais c'est le style. Voilà, quand vous écoutez live, quand vous écoutez temple, voilà. Donc c'est comme ça que cela est. Alors, il ne faut pas me demander de chanter autrement, je ne saurais pas. Je ne connais pas, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Merci pasteur. Quel est votre apport en tant que chanteur à la nouvelle génération des chanteurs que nous avons aujourd'hui dans le monde? Votre don, quel impact il peut apporter sur les jeunes? Ça me rappelle le pasteur Life qui disait que le succès d'un artiste, ce sont ses successeurs. Est-ce que vous partagez aussi le même avis? Bon, certainement, il a voulu dire quelque chose. Les dons naissent à partir de, comme vous comprenez, quand un prédicateur prêche, plus il prêche, les dons naissent. Les autres par là, ils prêchent, ils viennent, ils commencent à prêcher. Ils sont nés, ils disent qu'ils sont nés de ce ministère-là. Vous voyez, et c'est comme ça que cela se fait. Quand vous allez écouter, vous allez voir peut-être l'autre là chante comme Nathan, l'autre là il veut chanter comme le Vekingombe, l'autre là il veut chanter comme l'autre. Posez les questions et te dire que moi j'ai été inspiré par ça. Moi j'ai été inspiré par ça. C'est comme ça que ça est. Même quand vous ne serez pas là, un autre viendra et dira moi j'ai été inspiré par l'autre. Mais toi aussi tu avais été inspiré par l'autre, comme Frère Branham. Son ancien, c'était Francis Bosworth. Et vous comprenez, là c'est le messager. Donc, il en avait quelqu'un physique comme ça. Donc, ici, certainement, Life en parla comme ça, il a voulu dire quelque chose. Mais moi, pour ne pas trop parler, je suis déjà fatigué, je voulais seulement, le seul conseil que je peux donner, comme j'avais dit à Goma, quand la question m'avait été posée, c'est que quand on vient chanter pour Christ, on ne vient pas faire le végétariat. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on chante selon une loi universel consiste à vivre pour les autres. Et quand on veut vivre pour les autres, on veut faire quelque chose pour les autres, on n'est pas dans le végétariat. Et ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Et une autre chose, c'est de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Moi, je crois que Dieu bénit toujours. C'est ce que je crois. Toujours, je répète, toujours. Mais quand vous restez dans les normes. C'est un problème des énergies. Ça dépend de quelle énergie vous avez dégagée. C'est ça qui produit les résultats. Voilà. Donc ici, on ne met pas l'argent avant, on ne met pas le succès avant, on ne met pas le truc avant, mais on met d'abord Christ avant. Vous voyez, c'est celui qui veut s'abaisser, c'est alors que Dieu l'élève. Mais quand toi tu viens pour commencer à chanter, pour être élevé, pour dépasser Nathan, pour dépasser celui-là, déjà le motif n'est pas correct. Alors, selon les lois, selon les lois, tu ne seras pas monté parce que toi-même, tu as précipité ta chute. Donc, pour cette génération, s'il faut le dire, mon seul conseil, c'est de rester humble, de beaucoup prier, de s'attendre à Dieu et de servir Dieu selon ce que Dieu les a donné. Voilà. Et de tout le reste, qu'il laisse ça, que le Seigneur puisse s'en charger parce qu'il prend soin. Donc, je pense que c'est ça. Mon nom est Samy Yumba. Je suis animateur d'émission, collaborateur de SB. Je suis croyant du message. Je préfère donner cette précision aussi. Alors, excusez-moi, pasteur, de vous ramener à votre intervention tout à l'heure quand vous essayez de répondre à la question de mon confrère Joseph liée au soutien des artistes. Vous avez dit quelque chose qui m'a un tout petit peu titillé. J'aimerais bien avoir un éclaircissement là-dessus. Vous avez dit que vous ne chantez pas pour de l'argent, vous ne prêchez pas pour de l'argent, vous le faites pour Dieu et c'est Dieu qui bénit en retour. Pour ces artistes qui se plaignent n'avoir pas reçu un soutien efficace en fait des enfants de Dieu à Lubumbashi ou partout ailleurs, est-ce qu'on pourrait considérer que les artistes qui commencent et qui ne reçoivent pas le soutien idoine
comme étant une façon de ne pas être accepté ou que le don n'est pas éprouvé par Dieu. Parce que si c'est Dieu qui bénit le don qui commence, à tout prix, l'artiste qui commence n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit ou d'être tenté. Il devra en fait recevoir le soutien parce que c'est Dieu qui va pousser les autres à venir le soutenir. Et s'il n'en reçoit pas, ça veut dire que, quelque part, Dieu n'approuve pas le don. Parce que moi, je suis croyant du message. Si je dois partir sur cette réflexion, un frère croyant du message artiste peut venir demander le soutien à mon niveau et je lui dis que je ne suis pas inspiré. Est-ce que celui-là ne sera pas à choper? Voilà un peu mon intervention. Merci. Je ne crois pas. Comment ça, moi, je viens chez Junias, je dis que non, Junias produit moi, Junias dit que non, et je ne suis pas à mesure de te produire, et puis moi je dis que non, et vous ne me soutenez pas. Non, je ne crois pas que cela soit comme ça, vous comprenez? Donc je crois que si Dieu voulait que cela soit ainsi, il allait toucher le frère Junias pour qu'il me soutienne, ou peut-être qu'il n'en avait pas aussi. Vous voyez, ça c'est aussi une autre chose. Mais il y a encore une autre chose. Une autre chose, c'est que vous ne pouvez pas me faire venir. C'est très bien, je vais être straight avec vous. Vous ne pouvez pas me faire venir, vous faites venir un artiste, hein, et tout, vous louez des trucs, les salles et tout, et puis vous faites payer aux gens. Les gens sont venus, ils sont entrés, ils ont payé pour que tu ne puisses pas beaucoup dépenser dans tout ce que toi tu as fait. Et à la fin du concert, tu dis au frère que non, kola pambolayo. Est-ce que vous comprenez cela? C'est malhonnête de votre part. Si vous voulez que nous puissions aller free-free, allons free-free. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Vous rassemblez les gens, ils ne vont pas payer, ok? Et puis vous m'appelez pour venir chanter. Et vous ne me payez pas, c'est correct. Parce que c'est ça que j'ai fait quand je pars pour prêcher. Mais tu ne peux pas venir, tu fais payer les gens et puis tu dis à Neville que non, toi tu as fait payer les gens. Est-ce que tu as compris ça? Ce n'est pas correct. Et puis ensuite, vous venir dire que non, vous chantez pour l'argent. Non, ce n'est pas juste. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ok, donc quelque part, ne soumettez pas les artistes à la tentation. Vous voyez? Vous-même, ayez un esprit ouvert, ok? Et soyez sincère en vous-même. Parce que, je vous ai dit, c'est un problème de l'énergie. Donc, si l'énergie déjà est négative, c'est un vrai problème. Et c'est ça qui va créer tout ça là. Donc, soyez straight, straight, straight. Ils ont parlé clairement ici. Et sans embâche. Et c'est ce que Dieu aime. Mais n'organisez pas une histoire pour commencer à critiquer les artistes. Oh, ils chantent. Non, non, non. Mais c'est toi qui as voulu faire ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si je viens chez le frère Billy, que je dis, frère Billy, soutiens-moi, frère Billy. Non, je ne saurais pas te soutenir. Puis moi, je parle me plaindre. Non, je ne crois pas que cela soit ça. Bon, cela aussi ne veut pas dire que le don là est faux. Seulement peut-être que c'est lui qui a beaucoup produit rien. Cela n'enlève pas les dons qu'il a. Est-ce que tu as compris, Fémil? Donc c'est un peu ça. N'allez-moi, il faut n'accéder. Alors je prends madame. Je crois que c'est la dernière personne. Voilà, merci. Bonjour, bon après-midi. Lise Alex Choukrani, émission Clameur, Nyota Télévision. Voilà, merci, pasteur. Juste deux petites questions. Et je voulais savoir à quoi est-ce qu'on pourra s'attendre le 22 septembre? Vous, en tant qu'homme de Dieu, le message que vous avez reçu, est-ce que vous pouvez déjà nous donner le goût pour que nous puissions répondre sans problème? Et la deuxième question, c'est concernant les stratégies que vous avez mises au point. Vu que vous êtes un homme plein d'énigmes, et ce n'est pas tout le monde qui est capable de capter le message, de le comprendre, et vu que ça sera un concert, différentes catégories de personnes viendront. Il y aura des enfants, des aînés, des grandes personnes, des vieillards et consorts qui seront présentes. Alors, je voulais juste savoir quelles sont les stratégies que vous avez mises au point pour que votre message soit capté, qu'il soit capté, compris et par tout le monde. Voilà, merci. Merci, mamie. Dieu bénisse. Bon, ici, c'est une œuvre spirituelle, ok, dont nous sommes en train de compter sur le Seigneur, ma sœur. Donc ici, je fais confiance à Christ. Parce que, comme je viens de dire ici, peut-être que vous n'étiez pas là, peut-être, nous n'allons pas, je ne viens pas devant vous ou devant les enfants de Dieu qui viendront là pour faire du show. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? Voilà, moi je ne viens pas faire les shows. Et je ne crois pas que quand on vient pour chanter dans un concert chrétien, il faut, ça c'est moi, hein? Excusez-moi, voilà. Qu'on vient faire le show. Non, ce n'est pas le show. Pourquoi? Parce que Dieu prépare son église, son peuple, dans la prédication et dans les chants. Même dans les chants,
Dieu prépare. Je m'attends à ce que les malades soient guéris dans les champs, dans les 22. Je m'attends que les problèmes soient résolus. Je m'attends que les attitudes soient transformées. Je m'attends que les captifs soient libérés parce qu'il s'agit de lui, de Christ, Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, là où deux ou trois seront rassemblés à mon nom. Donc les 22, nous allons nous rassembler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je m'attends avec le Seigneur Jésus-Christ là qui m'accompagne. Parce que là, je viens de Kinshasa, je suis arrivé aujourd'hui. Que cette même énergie, que cette même présence, voyez-vous, les touche et les enfants, toutes catégories comme vous m'avez dit. Donc ici, je n'ai pas une stratégie que je peux te dire comme telle. Mais il est dit à moi par les Écritures, quand vous serez devant les hommes, ne craignez rien de ce que vous direz. Donc ici, quand moi je serai devant vous, je ne crains pas. Je m'attends à celui qui m'a donné les dons ici et l'inspiration qui fera que vous puissiez venir. Parce que si vous êtes venu, c'est que vous êtes attiré par quelque chose. Et la chose qui vous a attiré là, c'est ce que vous allez rencontrer les dimanches là. Donc j'aimerais que les dimanches, hein? Voilà, donc j'aimerais que le peuple de Dieu s'attende à ce Dieu là. Donc voilà, pour rassembler en tout. Il y avait quoi comme question? C'était ça, hein?